Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preguntar a los franceses qué piensan de Argentina. Yo no he tenido la ocasión de ir a Argentina, pero obvio que conozco a Argentina por su carne muy rica, como que comen un animal que se llama el armadillo. El acento de los argentinos es bastante interesante, che boludo. Bueno, el acento como habla Messi, el fútbol argentino obvio es muy famoso, Argentina es uno de los mejores equipos del mundo. El lado negativo de Argentina es que muchos latinos me han dicho que los argentinos son un poco creídos y que algunos se creen de Europa. Bueno, eso es a confirmar, pero como no he ido no puedo saber. Pero igual me imagino que debe ser un país muy encantador, muy bonito. Quiero conocer Buenos Aires, quiero conocer muchas ciudades de Argentina. Y aparte de eso, sí, entonces me imagino que debe ser un país divino. Y lo bueno es que tiene también abajo del país, debajo del país, mucha nieve para esquiar y todo eso. Bueno, es un país muy, muy lleno de muchas cosas. Y ahora vamos a preguntar a los franceses qué piensan de Argentina. C'est sur l'Argentine, vous n'avez pas trop le temps? On a le temps, mais jusqu'à que le bus arrive. D'accord, s'il arrive, vous pouvez partir, ça prend 2 minutes. Allez. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez me situer le pays de l'Argentine sur cette carte du monde? Bah là. Très bien, ouais. Si je vous dis Argentine, ça vous fait penser à quoi directement? À la carne mixte. Vous êtes de quel pays? Mexique. Vous êtes mexicaine? Ouais. Ah d'accord, donc vous pensez tout de suite à la viande? Oui, à la viande. Et quand il part. D'accord. Et L'accent argentin. L'accent argentin. Vous voyagez beaucoup en Amérique latine ou... Non, pas encore. Je suis pas le Mexique, mais enfin, en Amérique du Nord. Ah d'accord. Sinon, au niveau football, l'Argentine, ça vous fait penser à quoi? Maradona, Batista. Maradona ou Batistuta, c'est bien. Batistuta, oui. D'accord. Niveau danse argentine, vous pensez à quelle danse? Tango. Tango? Ouais. Vous savez danser le tango? Non. La salsa, mais pas le tango. D'accord. Une question, vous pensez qu'il est quelle saison en ce moment en Argentine? En France, on est en hiver en ce moment? Non, en été. Été, donc le contraire, c'est bien ça, ouais. Est-ce que vous pensez que les Argentins sont plutôt chaleureux ou plutôt froids? C'est moins chaleureux que les Mexicains. Moins chaleureux que les Mexicains. D'accord. Une autre question au niveau gastronomie, vous avez dit pour boire plutôt, qu'est-ce qu'ils boivent beaucoup les Argentins? Vin argentin, ouais. Ouais, c'est très bien. Et si vous devriez voyager en Argentine, vous serez heureux ou plutôt. Ah bah oui, c'est heureux. D'accord. Vous offrez le billet, c'est ça? Non. En fait, c'est une vidéo pour savoir qu'est-ce que pensent les Argentins, qu'est-ce que pensent les Français sur les Argentins ou les Mexicains. Voilà, d'accord. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias. Bonjour, s'il te plaît, vous avez dérangé le petit entretien pour vous dire? Sur quoi? Un pays d'Argentine pour proposer quelque chose. Ah, je connais pas trop l'Argentine. Oh, c'est bien, c'est des questions générales, ça vous dit? Ouais. Ok. Alors, en fait, est-ce que vous sauriez me dire déjà, premièrement, où est l'Argentine sur cette map? Vous pouvez baisser un petit peu parce que. Attendez, parce que je vois, je sais pas, là. Très bien, ouais. Donc si je vous dis Argentine, ça vous fait penser à quoi directement? Shakira. Ah, Shakira. C'est la Colombie. Argentine, c'est... on a comment il s'appelle? Emilie, aide-moi. De l'équipe de foot. Je suis pas foot, moi. Vous aimez pas Maradona. Maradona. Lionel Messi. Allez, c'est triste de foot. Je suis pas footeux, mais voilà, c'est le seul truc. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que si on vous offrait par exemple un billet d'avion pour l'Argentine, vous serez heureux quand même? Oui. En Argentine, vous pensez que physiquement ils sont comment les Argentins, plus ou moins? C'est plus ou moins. Après, je veux pas être réducteur, mais ouais. C'est un peu dans la même veine que les Espagnols, les Latins. Ouais, donc voilà. Plutôt bronzé. Peut-être dirais... pas bronzé, non. Non, je dirais même pas trop bronzé normal. Enfin, les mat, mais pas vraiment bronzé. D'accord. Et les cheveux plutôt foncés. Ouais. D'accord. Est-ce que ça veut dire la capitale de l'Argentine? Ouais. Mais j'ai la pression avec l'objectif. Attendez, laissez-moi... Ça commence par un B. Ah oui, Buenos Aires. Très bien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez que les Argentins en général sont plus chaleureux que les Français ou moins ou c'est plus largement. L'argent plus chaleureux. N'importe quelle nationalité, malheureusement, peut être plus chaleureuse que les Français. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas réputé très chaleureux. Et la gastronomie argentine, vous savez dire à peu près qu'est-ce qui ouais, est... Ouais, ils sont très bons en viande. En viande? Ouais. Ouais, les meilleures viandes du monde, ouais. Ouais, ils sont très bons en viande, les Argentins. D'accord. Donc, et en foot aussi. En
foot et viande, d'accord. Ouais. Et la population vite fait de l'Argentine, vous savez dire à peu près? Alors là, comme je vais dire complètement au hasard, je vais dire... je peux revoir la carte? Ouais. Ouais, je vais dire... je sais pas, 90 millions au hasard. Voilà, moitié, mais c'est presque ça. Ouais. Et une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'en Argentine, il y a des saisons ou c'est chaud toute l'année? Non, il y a des... Non, je pense qu'il y a... Non, il y a des saisons quand même. Enfin, d'accord, en ce moment, comme... là, on est en hiver en France, vous pensez que c'est quelle saison là-bas? Ben, je sais pas si c'est... je dirais l'inverse. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc là, c'est l'été. Ouais, d'accord, bah, je vous remercie beaucoup. De rien. D'accord, merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir. Sur quoi? L'Argentine. Je ne connais pas du tout. Vous me posez quelle question? Je vais vous poser plusieurs questions, ça vous dit? Ça prend 2 minutes. Pas, oui. D'accord. Je suis un grand ignorant. Ah non, mais c'est... est-ce que vous pouvez me dire plus ou moins déjà où est l'Argentine? Voilà. C'est très bien, ouais. Vous sauriez dire à peu près la capitale de l'Argentine? Buenos Aires. Buenos Aires, très bien. Est-ce que vous sauriez dire par exemple des danses d'Argentine? Le tango? Oui, oui, c'est très bien. Oui, oui, c'est ça, ouais. Est-ce que vous pensez qu'un Argentin en général c'est chaleureux ou c'est un peu froid comme les Français? Vous dire. Enfin, tout le monde sait que les Sud-Américains, en général, ils sont assez chaleureux. Et... oui, c'est ça, oui. Ah, oui. Et... je crois bien qu'il y a le professeur de chant là, qui est d'origine de ce coin-là. Bon, qui? Professeur de chant du conservatoire. Ou alors j'avais un collègue aussi qui était professeur de chant et ils étaient assez... là, que vous dites. Oui, les Argentins, en général, ils sont bons en oui, chant, en musique. D'ailleurs, maintenant c'est le Venezuela, je crois, d'Udamel. Le grand chef d'orchestre, c'est aussi des Sud-Américains. Oui, les Sud-Américains en général. Niveau gastronomie argentine, vous savez... la bouffe, c'est pas trop grand. Vous n'avez pas trop la gastronomie? Oh, mais je connais pas trop. Qu'est-ce qui vient d'Argentine? Bah, la viande, enfin, on n'en achète pas directement, mais qu'est-ce qui est réputé dans le monde, la viande argentine? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non, pour ça, je suis pas trop orienté là-dessus. Ou le vin argentin, ça fait la concurrence au vin français? Non. Pas. D'accord, pas de problème. Bon, la pizza c'est italien, la paella c'est espagnol, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc argentin? Par la viande, il y a aussi le maté, c'est une sorte de thé, mais bon. Une autre question, si vous devriez voyager en Argentine, vous serez plutôt content, plutôt... Mais je voyage pas beaucoup, moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère regarder les trucs à la télé, ils ont des beaux reportages et tout, au lieu de voyager dans son lit, c'est pas trop mon genre. D'accord. D'aller me promener surtout très loin. D'accord. Il faut prendre l'avion et tout, c'est passer pas dans les portiques. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'en ce moment, c'est l'hiver en Argentine? Parce qu'on est en hiver en France, là-bas, ben, c'est le contraire, hein. C'est le contraire, ouais. Ah oui. D'accord. Et une dernière question. Combien d'habitants vous pensez que la routine possède, plus ou moins, hein? Oh, je ne sais pas, 100 millions. 100 millions. C'est nettement plus grand que la France. Oui, c'est beaucoup plus grand, mais c'est peut-être moins dense. Beaucoup moins dense, oui. Donc, il y en a combien? 45 millions, en fait. Ouais, moins que je croyais. Est-ce que vous savez des mots espagnols, en fait? J'ai pas appris l'espagnol. Vous n'avez jamais appris l'espagnol? Pas trop, non. D'accord. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, alors. Ah, mais pas toi. Passez une bonne journée, alors. Je vais me retrouver sur Facebook, c'est ça? C'est YouTube. Ah bon? Oui. C'est une vidéo, en fait, sur qu'est-ce que pensent les Français sur l'Argentine. Oh, bah, que du bien, puisqu'on a un pape qui vient de l'Argentine. Ah, bah oui. Ah, bah, alors, donc, voilà, les Argentins vont vous voir sur YouTube et d'autres pays d'Amérique latine. Bon, eh ben, à la prochaine, alors. Merci, au revoir. Sur l'Argentine. Je peux? Oui, allez-y. Okay. Voilà, donc est-ce que premièrement vous pouvez me dire où est l'Argentine sur cette carte du monde? Alors là, je sais pas du tout. Pas du tout? Je sais pas, je peux pas vous dire. D'accord. Est-ce que vous sauriez me dire c'est dans quel continent plus ou moins ou non, l'Argentine? Non. Non? Qu'est-ce que vous savez sur l'Argentine? Si vous pensez à l'Argentine, ça vous fait penser à quoi directement? Comme ça. Chaleur. D'accord. Et niveau football sur l'Argentine, vous pouvez dire quelque chose ou... Moi, je suis pas du tout de foot. Après, non. Je me sens qu'ils ont des bons joueurs. Ouais. Est-ce qu'il paraît, ils ont une bonne équipe, mais après, c'est pas trop comme ça, pas. Non. Mon copain, oui, mais moi, je ne connais pas grand-chose. Gastronomie argentine, vous savez quelque chose ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, Argentine. Capitale de l'Argentine.
Aucune idée. Non plus. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'en Normandie il fait très chaud ou toute l'année ou il y a des saisons comme en France hiver? Je pense qu'il y a des saisons comme en France. Donc en ce moment on est en hiver en France, vous pensez qu'en Argentine c'est quelle saison en ce moment? Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'été là en Argentine. Ah, c'est très, ouais. C'est très bien. Des danses argentines, vous en connaissez ou non? Non, pas du tout. Si je vous dis tango, ça vous dit pas? Ah si. Ah, le tango, là. Ouais, si, si. D'accord. Si on vous offrait un voyage, par exemple, en Argentine, vous serez heureuse ou pas trop? C'est pas trop votre style, non, ou vous aimez bien dans le truc? Bah, vu que je connais pas comme ça, mais après, moi, j'aime bien visiter, donc pourquoi pas? Bah, vous pensez qu'il y a des plages en Argentine? Je pense, comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que les habitants de l'Argentine sont très chaleureux ou un peu plus froids comme les Français, ou très... Aussi froid que les Français, je pense pas. Je pense qu'ils sont plus chaleureux. Plus chaleureux que les Français. D'accord, bon, ça ira comme ça. Alors, je vous remercie beaucoup. De rien. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Esto fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.